On va partir à la plage faire le défilé, hein. Attendez, vous prenez comment ça à la plage. Bon, le thème c'est Brésil. Écoute-moi, putain, fils de star. Si le thème c'est Brésil. Vous avez bien poussé, vous poussez, vous poussez. Allez, qu'un maliboule, yalla. Oui. Ouais, mon roux, est-ce que tu pourrais me déposer? Oui, on va au concours de mode pour 50 000 $ à gagner pour un défilé. Il y a Benjamin qui est avec vous. Il me faudra une sono. J'espère que Benjamin la sono. Oui, il a la sono. On va faire des Benjamin. Répétitions. Non, ouais, nous sommes là. Ouais. Je suis le gérant. Donc, c'est vous les mannequins qui sont là pour les essayages? Oui. Ah non, moi, je vais bouger, moi. Je dois y aller, moi, monsieur. Je suis désolé. Oui, des cuisses assez sportives. Vous faites de la muscu, monsieur? Ouais, un peu. Je suis coach sportif, ouais. Attendez, je me rapproche. Excusez-moi. Désolé. Attendez, je vais regarder si votre. Attendez, ce sont vos vraies lèvres? Ouais, bien sûr. Bon, on va quand même les garder. Bon, c'est pas grave, ça ira. Oui, je vous l'appelle. Il y a monsieur qui est stylé, si vous voulez, là-bas. Et il y a d'autres personnes qui arrivent, et c'est vous qui jugerez tout le monde. Attendez, ça commence à être à la partie intéressante, mademoiselle. Oui? Pour le thème de la plage, ça compte ou pas, par exemple? Alors, je suis en train de regarder. Ouh, là, ça va être un petit peu. Oui, ça va être un petit peu trop chaud, là. Comment dire? Attendez. C'est vulgaire ou ça non, respecte non, le thème de la plage? Je suis en train de regarder pour l'instant. Alors, permettez-moi de vous dire que vous êtes très bien profilé. Alors, ça se passe que vous gardez la tenue, on vous contactera pour faire le défilé, ok? Je vais contacter Maître Vin, c'est lui qui met en place la cérémonie, etc. Et moi, je serai l'animateur principal et le juge. C'est bon, tout le monde a fait. Tout le monde est prêt? Ouais, c'est bon. C'est bon, on va partir. Oui, monsieur. On va partir à la plage faire le défilé, hein? Je te dis, vous prenez combien de temps? Ah, ça à la plage. Hein, dis... On laisse passer. Mademoiselle, je vous emmène. Non, ça va aller, je vais y aller avec monsieur Dom. In Eloyano, Eloïsa, Eloïsa. Alors. Je te donne mes mots, je te donne. Ma voix. Quand ta voix n'est pas importe à ton propre tempo. En tout cas, vous les juifs, vous avez toujours été généreux, vraiment. Vraiment exactement. Je sais. Dans l'idéal, ça serait pas très long. Vous avez vu, ça fait un petit spot, un petit peu alerte à Malibux. Ah, c'est vrai que ça peut faire stylé. Mais vous savez, c'est vous l'organisateur, c'est vous où vous organisez où vous voulez, quand vous voulez. Vous savez, moi je ne sais pas. Alerte à Malibu, yalla. Et voilà, vous avez vu. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis un pare-buffle. Tu trouves ça beau? J'ai vu la voiture voler un peu. Oui, c'est très bien. Merci d'avoir le stade, c'est bon. Oui, alors, c'est gentil, c'est très bien. Allez, on y va. Yalla, allez, allez, on y va, là. Qu'est-ce qu'on a fait? Le podium est là-bas. Écoutez-moi. Ah, oui, voilà, monsieur Dove. Oui, vous êtes écoutez-moi, là. Écoutez-moi, oui. C'est moi, Dove à Bilbol. Oui. Comme je le rappelle, Dove je suis gérant de l'entreprise. Monsieur Bilbol, alors. Écoutez, je vous explique. Vous allez défiler les uns après les autres. On va commencer par les garçons. Je vous montre un petit peu la marche à suivre. Regardez, vous allez défiler ici. Vous allez commencer par monter ici. Ensuite, vous montez ici. Vous présentez le produit. Et à vous refaire un aller-retour. Vous faites, voilà, vous faites ça bien, etc. Vous montez ici. Vous avancez. Vous retournez en arrière. Vous retournez à la base. S'il vous plaît, de bien vouloir me suivre. Va prendre un coiffeur pour changer de couleur. Allez, on bouge. Suivez-moi. Mettez-vous ici. Vous avez des boissons. Vous pouvez rester voilà, dans cette zone. Vous restez tous dans cette zone. Voilà, restez ici. On appellera les candidats. Allez, on vous met en quarantaine. Vous avez des boissons. Pouvez-vous vous servir, c'est ça? Dépêchez-vous. J'ai pas que ça à foutre. J'ai une bar mitzvah demain. Allez-y, allez, monsieur. Qui commence, monsieur Devy? Vous dites on lâche son téléphone et c'est parti. On se met ici, comme ça là. Non, ici, voilà, l'un côté de l'autre. Vous vous mettez ici, là, sur ces chaises-là, et moi je me mets ici. Ok. Bon, qu'ils mettent la musique là. On y va. Qu'ils les fassent défiler. De qui? Monsieur, oui. Mettez-vous tous sur la scène. Du DJ. Je voulais participer, s'il vous plaît. Mettez-vous tous sur la scène, s'il vous plaît. Je peux vous envoyer par email une musique. Benjamin, mets-toi sur les... Déjà, je vous remercie pour votre participation. Vous avez bien mis en valeur. J'ai jamais fini. Pour l'ensemble, à part... Oui, je vais pas en parler. Bon, pour l'ensemble, ça va. Vous avez bien présenté les produits. Je vois que vous avez bien mis en valeur. Il y a eu de la belle démarche, de la prestance pour certaines aussi également. Hein. Vous avez fait un joli défilé dans le rythme de la chanson. Je vois que vous êtes bien adapté. Hein. Vous étiez bien un petit peu à contre-pied sur le thème est-ce de la que, musique. Monsieur, excusez-moi, je l'ai pas fait moi le défilé. Et j'ai pris vos vêtements. J'aurais bien aimé le faire. Bah, vous le faites sur la plage. Avec un peu de chance, vous serez regardé par des moules. Allez, bon. Concernant les autres. Si c'est celle de Tadaron, je veux bien. Maître Van. Non, oh, je prie. Concernant monsieur Trojan. Vous vous êtes démarqué à un moment où vous êtes arrivé sur la scène, vous avez fait une petite célébration en enlevant le haut, ça j'ai apprécié. Téton chorizo en évidence, je vous mets la note de 12 sur 20. Monsieur le juge, alors vous avez fait le choix de faire un petit défilé avec des tons bien choisis concernant le bas. Donc, celle qui est tombée, elle est éliminée. Hein. La question ce que je pose, c'est les fleurs. Voilà. Les fleurs, ça fait soit années 70, comme je vous l'ai dit, c'est le thème Brésil, thème calor, caliente, Copacabana. J'aurais voulu plus d'accessoires. Donc, ce serait une note de 10 sur 20. Je vous mets la moyenne quand même parce que vous avez fait un effort sur la chemise. Même si votre chemise, on dirait
Attendez, je crois que je l'ai croisé chez Annie Cordy. Va falloir lui rendre sa nappe. Bon. Concernant, comment il s'appelle ce monsieur? Bob. Trop de balles. Monsieur Bob. Alors, au niveau des choix des vêtements, parce que vous avez vu, on a quand même des très beaux tissus, hein. Vous avez pris un joli haut, hein, très bien assorti avec le reste. Le jaune qu'on revoit également sur le short et sur la casquette, très, très bel accessoire. Attends, vous démarquez, je vous mets la note de 15 sur 20. Oh là là, merci. Bon, vous êtes monsieur Calvin Klein, mon f... Oui, c'est ça. Et moi, je suis le pape, Jean-Paul V. Vos baskets, bon... Attendez, ça vient vraiment de mon magasin, ça, aussi? Non, je pense que... C'est clairement de ton magasin. Je vends pas ça, moi. Ça vient de la rue. Vous avez une note éliminatoire. Je vous mets la note négative de moins 5 sur 20. Vous n'avez pas attaché votre short, regardez. Donc vous avez eu les poils de zboub en évidence. Donc ça, c'est non autorisé. J'ai combien? Combien, vous t'as dit? Moins combien? Note négative, moins 5. Vous êtes tout en bas. Je pourrais m'entretenir avec vous après, s'il vous plaît? Oui, objection, votre honneur, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, un truc à vous dire après. Concernant le Sean Paul, okay, là, ça crame. En triphasier, vous avez apporté une petite part d'originalité sur toute la classe, du taffetas. Hein, et ça, j'aime bien, parce que ça rappelle la haute couture, les grandes marques, tout en sobriété, mais avec une pointe de fantaisie avec le jaune. Il y a là, et ça me rappelle Tel Aviv, j'aime bien. Concernant le rond, c'est également. C'est quoi l'accessoire que vous avez, l'espèce de collier? Ça me rappelle des macros, des zelebi, des pâtisseries tunisiennes. Ah, ça, c'est bon. Je vous mets la note de 16. J'ai mis très bien joué avec le petit sable cubain. Bon, lui, c'est qui? C'est le vigile. Bon, lui. T'as pas du sang tunisien un peu dans le cul? Si, dans l'anus. Vous avez défilé, très bien poussé. J'ai défilé, ouais. Mais, vu que moi, j'ai pas défilé, en fait, je devais défiler, mais j'ai pas défilé. Je pense que je sors du lot. Sa vie. Bon, déjà, bon. Je ne veux pas vous mettre une note négative, mais pour l'effort, je vais vous mettre 0 sur 20, vu que vous n'êtes pas... Attends, il mange 5 et lui, il mange à 0 sur 20? Oui, parce qu'il n'est pas dans le thème du tout. Le thème, c'est Brésil, c'est collection printemps-été, tu comprends? Ah ouais, lui, il rigole pas. Ah, t'es relou. Oula, faites ça après, s'il vous plaît. Oh, range ton truc et descends. Je vais le tuer. Voilà, merci. Ensuite, mademoiselle, nous n'avons pas pris un très bon départ. Ah oui, c'est ça. Et force est de constater que vous allez voir que je vais être impartial avec Maître Van, qui va juger en collaboration pour vous monter ma bonne franchise. Allons-y, Maître Van, procédons à... C'est gentil. Bien évidemment, à la critique de la tenue. J'adore ces ciseaux. J'adore les ciseaux qu'elle porte au pied. Bien, la demoiselle. Oui, attends. 7 sur 20 Non, même pas. Hey, monsieur, excusez-moi. Non, attendez. Je me permets juste, en tant que participant, attendez. Elle s'est cassée la gueule, les mecs, hein. Elle s'est cassée la gueule. C'est pas elle. C'est pas elle. On va se mettre à... Non, c'est pas moi, je me suis... Non, c'est pas moi. Ah, d'accord. C'est C'est l'autre qui a reçu une tomate. Est-ce que ce serait possible de jeter un cœur de l'océan, une espèce de bijou, comme ça, il va se noyer dans la flotte, parce qu'il commence à me saouler, lui. Bon. Allez, concernant Steve Urkel. Du coup, un 16. Au niveau de la gueule, vous me rappelez Stephen Curry. 16 sur 20, le mec, il a juste envie de se la taper, ce B. J'ai l'impression que vous n'avez pas mis des chaussettes, là. Ça va sortir faisant au niveau de vos pieds. Putain, ça va puer. Donc là, vous prenez des points négatifs. Je lui mets un 15, mais plus moins 2, 13. Ensuite, passons à la dernière. Peut-être le meilleur pour la fin. Elle est tombée. Ouais, mais tu crois que c'est bon, là, t'as besoin d'être illuminé ou quoi? Elle parle comme moi, elle a dit de l'ambre. Elle est tombée, elle est habillée comme ma petite sœur. Wallah. Mais lui, mademoiselle, toi le monsieur violet là, chouf. Je crois que je vais juste me mettre devant vous. Voilà, exactement. Regarde, chouf, parce que t'as devant toi la gagnante. Essaye d'apprécier parce que tu la feras pas plus qu'ici. Je vous annonce que c'est la grande gagnante. Vous trouvez pas ça? Attendez, excusez-moi. Vous trouvez pas ça bizarre que les deux meufs? Je trouve pas ça bizarre que les deux meufs soient bien notées. Et surtout, celle qui s'est cassée la gueule à gagner, c'est celle qui est en bleu qui mérite de gagner. Non, c'est celle qui a gagné. Surtout que c'est pas une tenue pour la plage. C'est pas une tenue plage. Bravo. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas envie de la ken. T'as juste envie de la ken. Regardez le bas en forme de camel toe, ça met en évidence, c'est parti. En fait, en gros, si j'ai compris, t'aurais dû t'habiller comme une pute pour gagner. J'en ai rien à foutre, c'est moi qui décide. Elle est hors thème, la prochaine fois, je me mets en casson, je te montre mes grosses couilles, mes grosses gueules, peut-être que je gagnerai. Monsieur Van, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir votre des couches, t'auras l'occasion de faire caca. Ouais, tu me prêteras tes deux petites maracas là, que tu m'as dit. C'est ça. Bon, mademoiselle, vous êtes la grande gagnante. Je vais t'en culer, s'il vous plaît. Règle-le. Mademoiselle, vous êtes la grande gagnante. On peut voilà, c'est du pervers. Yala, allez, on l'applaudit. Merci. Désolée, mais c'est pas une tenue de plage. Hein. Vous pouvez demander à tout le monde de s'asseoir, s'il vous plaît. Un petit discours pour la gagnante, s'il vous plaît. Maître Van, c'était scandaleux. Il n'y a aucune discipline. J'aurais dû prévoir la sécurité. Bonjour, je me présente, je suis Alice Hills. Donc, tous ceux qui s'en battent les couilles, tournent le dos. Ceux qui tournent le dos, barrez-vous, vous n'avez plus rien à foutre ici. Maintenant, elle va prendre son chèque, comme ça, t'auras bien le seum. Allez, rassure-moi, Brésil. Ça met les trous de ta fouf en valeur et c'est pas... Le thème, c'est Brésil. Le thème, c'est... Le thème, c'est Brésil. Déjà, les Brésiliennes. Le thème, c'est Brésil. Écoute-moi, putain, fils de stag.
Si je t'aime, c'est Brésil, c'est Brésil. C'est esthétique. Moi aussi, c'est qui est fort. Moi aussi, c'est qui est fort. Vous en faites pas, vous en faites pas. Attendez, mais il y a un gars qui s'est fait tirer dessus là. Je sais pas ce qui s'est passé, putain, j'ai. Arrêtez. On doit rappeler la police. Mais non, il est mort. Je suis infirmière, vous en faites pas. C'est ouf, pourquoi il s'énerve le gars? C'est qui m'a pris mon pistolet? Parce que je vais insulter sa grosse mère maintenant tout de suite. J'ai mal respiré. Venez, vous êtes pas en sécurité, venez suivre. J'ai l'impression que nous sommes un flagrant délit de ego. Ouais, mais attendez, vous tirez sur un homme normal. Ça va pas, arrêtez. Ta mère aussi, c'est bien. Ton visage est terminé. Terminé, déchire-le. C'est vous, monsieur, qui avez tiré sur lui. Déchire-le, et du coup, Liberto, il a bien raison, alors. Déchire-le, mon espèce d'enculé. Espèce de bouffon. Vous sortez vos armes, vous tirez sur les gens comme ça. Vous sortez vos armes, vous tirez sur les gens comme ça. Espèce de gros trou du cul. Et après, tu confisques l'arme. Au calme, monsieur, j'ai appelé la police. J'ai appelé la police. Appelez la police, s'il vous plaît. J'ai appelé la police. C'est ça, c'est à cause du nom de famille. Franchement, l'antisémitisme, c'est une honte. On meurt de faim, on a aucune scène. Ils font toutes les scènes du monde et on se fait confisquer nos armes, on se fait tirer dessus, mon frérot. Je comprends, t'es énervé. Voilà, frère. Ferme ta gueule, on n'est pas dans ton truc. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Allez, il y a un Uber, j'ai appelé un Uber pour vous, monsieur. C'est qui la bagarre là? On a reçu un appel ici. Oui, c'est un monsieur, je sais pas, il était agressif. Il avait une voix agressive d'ailleurs. Je lui mets un pain dans sa gueule, ok? Oui. Jusqu'à là, je lui mets un pain dans sa gueule. Son pote, il sort une arme en braquant et il me dit dégage. Je dis non, je dégage pas. Il me tire une balle, deux balles, trois balles au calme, voilà. Et qui vous a tiré dessus, monsieur? Qui vous a tiré dessus? Bah lui là, avec sa voix. Avec sa voix de blessé, me suis. Moi, mes travaux. Monsieur, venez avec moi là. Il y a des grosses couilles, salope. Attendez, monsieur, venez sur le côté là, parce qu'il y a plusieurs témoins pour dégoûter des gens comme ça.